Les gars, faut ouvrir la porte, tu connais ça. Ouvre la porte maintenant, Bon, bah moi j'ai spawn, mais par contre, je sais pas du tout où je suis. Bon, je suis où là? Est-ce qu'il y a des panneaux dans les villages? Non, je pense pas. Tu crois qu'il y a des panneaux? Bon, j'arrive dans un petit village déjà, on commence à se loot ici, espérant qu'il y ait des choses. Toi, t'es par où, tu sais, ça ressemble à quoi? Bah, c'est une base midi. Ah ouais, toi, c'est pour ça que t'as commencé très fort. Ah, vous êtes dans des villes intéressantes! Bah, moi, j'ai spawn à côté d'un truc militaire, donc. Eh bah, c'est pareil, moi, c'est pareil. J'ai spawn et j'ai regardé sur ma droite, il y avait un truc militaire. Bah, c'est là où je vais arriver. Bah, je vais te sécher. Ok. C'est le gars. Du coup, Sean, si tu te suicides, je pense que tu peux avoir le spawn que j'ai eu. T'as les hélicos, après t'as des. Ah, sur la droite, t'as un grand bâtiment en rouille, là, un peu bâtiment. Ouais, une grande parabole. Écoute-moi, je suicide pas KR parce que moi. Je me bats jusqu'au bout. Bats-toi. Se suicider, c'est les faibles. Oula. Ah, voilà. Mais je pense que je suis pas loin. Vous avez un nom de ville ou pas? Non, c'est une base mini, donc y'a pas de nom. Putain, les mecs qui spawnent sur une base mini, quoi. C'est... Mais c'est presque honteux. Ouais, bah, je te vois clair, je suis là. Moi, je suis à... Ça s'appelle comment, la ville? Chaman. Oh non, la tempête de sable, ça fait perdre de la vie. Oui. Et oh. Ça te donne moins 3 en bouffe et en boisson. On va faire quoi pour résister à une tempête de sable? T'abrites à l'intérieur. C'est tout? Oui. Je suis abrité, là, mais ça marche pas. Ok, les gars, je suis hyper bien. Ça dure combien de temps, les tempêtes de sable? Très très longtemps. Non? C'est une honte. Il y a carrément de l'orage et tout. Ok, bah ça commence bien ta question, petit doublé déjà. J'ai presque envie de crever pour te rejoindre, mec. Si vous spawnez à côté là-bas, ça a l'air intéressant. Là, tu spawnes vraiment à côté de la base. Mais bon, là avec la tempête de sable, je sais pas si tu sais. Ouais, je sais pas si on va pouvoir se repérer, ouais. Moi, c'est pour ça que je prends une route, je suis, et hâte de voir s'il y a des panneaux qui dirigeraient peut-être dans une direction où on pourrait se retrouver. Putain, c'est chiant les tempêtes de sable en fait. Fuck le sable, hein. Alors, normal, qu'on a des tempêtes de neige, de blizzard, et là on a des tempêtes de sable. Comme sur Battlefield, hein, les gens qui ont vu la tempête de sable, ils étaient tous hype, moi ça me hype pas. Hein. Ah ouais, ouais, on va crever les tempêtes de sable dans Battlefield. Tout ça c'est beau, hein, mais c'est chiant dans un jeu vidéo. Moi j'avance, je progresse les amis, faut que je vous rejoigne. J'ai pas le choix. Ça me fait rire parce que je suis à l'intérieur, mais quand tu fais table, y a la tempête de vent dans le table. Oui, mais même quand t'es, y a pas de tempête, t'as la tempête dans le table. Ah ouais? Ouais, ouais. Putain, je suis sur les traces d'un mec. Tout a été loot. Y a un mec pas loin. Et y a des zombies morts. Je suis en train de me dire, imaginez, j'ai spawn à l'endroit où c'est et je suis parti dans la mauvaise direction. C'est possible, hein. C'est fort probable, ça. Ok, y a un mec devant moi. Y a un mec devant moi. Il boite. Est-ce que je le fume ou pas? Bah, ouais, ça peut te mettre bien. Oh, il se fait taper par un zombie. Bah ouais, il est dans la merde, Arrache-le. Je l'ai mis inconscient. Putain, il y a un zombie. Par contre, il y a le zombie, il m'a cassé les couilles, il passe à travers les portes. Parce que tu vois, moi je suis bien, mais le truc c'est que je suis incapable de trouver de l'eau. Il est mort ou pas? Ouais, il est mort. Ok, nice, parfait. Fou! Quoi le zombie? Mais casse-toi! Je peux pas. Je suis full bugué. Oh là là, j'ai 4 saignements. Oh là là, je suis dans la merde. Je me prends 2 saignements sur un vieux bug, ça casse les couilles ça par contre. Il a quoi? BK18 aussi? Ok. J'espère que la tempête elle va pas tarder à finir parce que. C'est chiant. J'ai d'autres projets. Il y a 3 Bambis qui sont en train de bouffer des cadavres de Bambis là. En train de bouffer les cadavres. Ouais, il y a 2 cadavres de Bambis et 3 Bambis autour qui bouffent la viande humaine. Oh non. T'as qui s'en c'est rude, hein. Ça a tiré vers vous ou pas là récemment? Voilà, ça foule là. Ça foule au loin. Oh bah j'entends pas. C'est bon, la tempête est finie, elle est finie la tempête. Non? Mais je peux encore 3. Non, elle est pas finie encore, c'est juste que tu vois plus loin. Moi quand je sors là, y'a plus grand chose. Hein. Ouais, moi non plus, mais bon. Plus grand chose, mais elle est encore là, t'inquiète. Putain, c'est pas vrai.
Elle fait encore son effet. Ouais. Elle est encore là, t'inquiète, ouais. C'est rude comme map, hein. Les gars, je vous le dis, ça va être compliqué comme aventure, là, ce qu'on se lance. Hein. Bah déjà, faudrait tous se retrouver, et quand on va en perdre un, bah on l'a perdu, je crois. Ouais, là, on le perd pour de bon, je pense qu'il faut aller se coucher. Je pense que la première mort, moi, je vais me coucher, hein. Je vais les gars, bonne nuit. Ah non, mais moi, la grosse, c'est un one-tap, hein. C'est une vie. C'est, là, c'est vraiment un simulateur de vie. C'est-à-dire que si je meurs, c'est fini. Si, c'est fini, là, je perds moins 2. Ok. Oh, moi, j'ai moins 3, non, je perds moins 3, non, c'est... Bah ouais. Non, c'est qu'il fait chaud, je pense, hein. Oui, est-ce qu'on perd de la vie? C'est ça, moi, qui m'intéresse. Non, je perds plus de vie. Moi, je perds pas de vie, là, je suis dehors. Hein. Bon, bah voilà. Bah, tant que tu seras pas en rouge, tu perdras pas de vie, logiquement. Par contre, mec, ça a l'air naze, les loot dans les maisons. Oh, y'a des mecs dans mon village, putain. Je vois des mecs au loin. Ah bah, je me suis suicidé, je suis toujours vivant. Ok. D'accord. Je vois pas dans le champ. Je me suis suicidé, je suis toujours vivant. C'est quoi cette phrase? Oh bah je me suis suicidé, je suis toujours vivant. Ok, venez les bros, dépêchez-vous, il y a un peu de stuff sur place. C'est bon, j'ai le bon spawn, vas-y j'arrive. Il n'y aura pas pour tout le monde. Oh bah, mais vas-y, vous avez de la chance d'avoir les bons spawns comme ça. Bah suicide-toi, tu l'auras, hein. Je t'ai dit, c'est un spawn classique. De là, ouais, ouais. Putain, je suis dans un petit village, mais je sais pas du tout par où je dois continuer ma progression. Putain, ça me fait chier si je dois me suicider alors que gros, je me suis sorti de l'impossible. J'étais dans une ville, elle s'appelle Ad-Dawi. Si vous voyez un panneau Ad-Dawi un jour, n'hésitez pas. Ad-Dawi, ok. Ad-Dawi. Bon, nous on est à Lashkar, t'es où toi tu m'as dit, Sean? Ad-Dawi. Ah, Ad-Dawi, t'es loin. Et on part par où? Nous, on faudrait faire un feu, gros. Lashkar, putain, moi, radar. Et c'est où ça par rapport à Ad-Dawi? Sur la carte, toi t'es à peu près en bas à gauche et nous on est en haut à droite. Tuez les zombies, hein, pour la bouffe. Tuez les zombies, hein. Bah, là, mec, là tu vois le nombre de zombies que j'ai tués, y'en a pas un qui a donné quelque bah, chose. Bah, mec, moi c'est boîte sur boîte que j'ai. Et du coup, Sean, y'a une map, hein, sur internet. Ouais. Tu veux mater? Ah, je vais aller voir. Bon, de toute façon, je vais faire nord-est et puis on va bien se retrouver dans un village commun en arrivant. Comme ouais, ça, entre temps. J'ai la carte sur le côté, ça va bien m'aider surtout. Et on va reprendre la boussole et puis on va faire nord-est. Hein. Nord-est, on m'a dit nord-est, on va y aller. Hein. Là, tu fais non. Tout le village. Il peut même y avoir des crashs d'hélico dans le village où t'es là. Non, désolé gros, j'ai pas. Putain, mais t'es un spécialiste du Takistan ou quoi? Ouais, j'avoue qu'ailleurs, on a l'impression qu'il connaît la map, tu sais. Venez, ah, t'es à Sake, Sake. Ah, je connais Sake, ouais. Même des crashs d'hélico qui spawnent, hein, sur la gauche là-bas à côté de la maison. Tu sais, ah, la maison qui a deux étages. Tu fais 26 pas, ça, 26 pas à la maison. Non, rouge, mais j'ai la carte. Là, ça nique l'air, venez. Ouais. D'ailleurs, si vous trouvez de la 762-39. Oh, les lunettes, elles ont. Y'a le filtre des lunettes quand tu mets les lunettes. Oh, c'est incroyable. Je vois tout en rouge vu que j'ai des lunettes de soleil, rouge. Dans la tête. Les lunettes de soleil, c'est bien supportable en fait. Bah ouais, c'est pour ça que j'étais choisi. Bah ils s'enjaillent pour quelque chose qui est vraiment chiant. Bah ouais. Bah t'as bien raison, je m'enjaille pour quelque chose de chiant. Putain. Allez hop, ça dégage ces putains d'infectés. Je peux te donner un pied de biche, y'a rien de plus efficace. J'arrive dans la ville, vous êtes par où? À droite, quand t'arrives, on est à droite de la ville avec Seb. Je vois un mec qui se bat contre un zombie, c'est qui? C'est moi. Ok, j'arrive, t'as à boire ou pas? Ouais, j'ai à boire, à manger. Nice. Putain, j'arrive à vous retrouver enfin. Et faut qu'on bouge après. Voilà, enfin. Après des heures de survie, les gars, j'arrive à te voir. Bon, t'as quoi de beau pour moi? Ça. Moi j'ai ça. Et ça. Merci. Ah, merci. Ah ouais, tu me mets bien. J'en ai énormément besoin. C'est incroyable! Mais gros, c'est excellent! Garde à vous, messieurs! Mais. C'est quoi? Non, c'est pas ça. Salut et respect! Ah, gros, attends. Mec, dès qu'on rentre dans une ville, tu fasses ça, hein, pour... Messieurs, venez récupérer, votre armement. Tenez, j'ai ça pour vous. Ça aussi, ça peut vous servir. Et on m'a dit que vous auriez besoin de ça aussi. Ouais, alors, moi, on m'a dit que vous aviez besoin de ça, Ah oui, c'est parfait. Ok, bah là, c'est fou, hein. Là, gros, à chaque fois qu'on rentre dans une ville, un petit coup de trompette, histoire de dire aux gens qu'on est là. Ah, gros, mais gros, c'est magnifique, la trompette. C'est ça, on va te donner un petit coup de trompette. Puis si jamais, hein, pour bait des gens, n'oublions pas qu'on peut faire ça, hein. Ah ouais, gros, c'est de ouf.
J'aurais dû le prendre ça tout à l'heure, il y en avait un sur le truc, je l'ai pas pris. C'est quoi la lumière là-bas? C'est KR? Là c'est KR. Tu le sèches ou pas? Ouais, tu peux hein. On prend la route là? Ouais, on va à l'autre ville d'après, non? Ouais, bah, allez-y. Faut qu'on se fight un peu là. Oui, bon, on va en avoir, vous inquiétez pas, on va aller dans les zones militaires, vous allez voir. On va faire notre. Les gars, nous allons progresser en faisant notre musique de guerre. C'est parti. Allez, la cavalerie là. Moi je suis encore à l'extérieur là, je descends, j'arrive. Moi je suis derrière Sam. Non, t'es derrière moi, boum, headshot. Ouf, tu pars, tu t'es retourné dans la mauvaise direction. Oh, merde, désolé. What, ça a changé de couleur d'un coup, gros. Oui, le mec il a tiré, ça change de couleur. Ouais. C'est qui a tiré? Je suis admin. C'est qui a tiré? Pourquoi? C'est moi. Pourquoi tu tires comme ça? Je m'explique. Mais gros, mais t'es obligé de gaspiller des balles comme ça? Mais je suis pas fait exprès, gros. Pas fait exprès, là. Non, mais à quel moment tu peux tirer sans faire exprès? Je vais quand même faire clic droit, clic gauche. Ouais. Là, il vient de prendre une droite, là. Ça tire. Encore. Qui se passe, tu peux arrêter de muscler? Non, là, j'ai pas tiré, gros. Et ça continue. Mais c'est pas moi, là. M'a fait saigner ce compte Z, là. T'as loot tous les dortoirs, Kair? Là, je l'ai loot, pas grand chose. Hein. Pff, voilà, il garde tout pour lui. Mais ah ouais. Tout, il est full stuff, c'est pire qu'une armurerie le bordel. C'est impressionnant. C'est impressionnant. SKS très abîmé, voilà ce que j'ai trouvé. Ah voilà, il s'est bah, c'est déjà une chance énorme. Oh mais mec, mais. Bon, et les zombies ils commencent à me casser les couilles. Quoi. Voilà. Ah oh, ouais, ça m'énerve. C'est où les suivants là? Prochain? Allez, tu dégages. Ah, toi ça nettoie avec le chaune. Toi aussi t'en veux? Toi aussi? Allez. Et ça nettoie. Putain la vache. Il y a un casque d'assaut ou je suis sans casque? Oh mais il y a une UEG-45. Bah tiens KR. T'as une arme? Non, vas-y pour me prendre là. Ah, il y a des vrais loups là par contre. Je les entends pas. Mais qui dit que c'est des vrais loups, que c'est pas un mec qui ont des trucs comme nous? Bon, en tout cas ouais, il y a eu un bruit de loup un peu plus loin vers où je regarde là-haut. Ah ouais encore hein. Non, ça c'est des choses. Voilà, moi aussi je leur fais. Si c'est des loups ou des joueurs, ils vont savoir à qui ils ont affaire. Oh! Ça a cliqué? Mec, y'a un gars, il me donne des coups de crosse! Y'a un gars sur moi! T'es où? Devant la prison! Il est dans le bat là! Il est à l'intérieur, les gars! Il est là! Bon. Bien joué. Un mort ici. Bien joué. Vous avez wow, il m'a fait flipper gros, je croyais que c'était un de vous, il me rentre, il commence à me crosser gros. À te crosser. Oh il l'a crosse. Ouais. Oh il t'a bien. Cette blague n'est pas forcément approuvable. Il m'a remis vie dans le jaune gros. Oh wesh, non mais n'importe quoi. Bon par contre t'as plein de balles de pompe si tu veux. Il y a des gants ici, des balles d'AK à plein aussi. Tiens, vas-y, prends, regarde, chargeur de Sega, tout ça. Fais-toi plaisir. Hein. Wow. Mais gros, c'est une scène quand même là, ce qui vient de se passer. Mais what, gros? Je pensais que c'était un de vous qui me crossait pour rigoler, gros. J'ai pas compris sur le coup. Je vois pas de brassard, gros. Vous voyez, les gars, on est pas tout seul. Je dis, c'était pas des loups, c'était des mecs. Hein. Je pense que c'était eux, ils avaient l'air d'être bambos, simplement. Non, je pense pas que c'était eux qui. Ils avaient une trompette sur eux. Non, je crois pas. Faut qu'on trace, on continue, hein. Je sais pas d'où ils sont arrivés les mecs. Hein. Bah ouais, ils sont arrivés d'un coup comme ça gros, j'ai pas compris, vraiment pas. Je pense qu'ils sont arrivés par les airs. Hein. La petite je pense qu'ils sont drop ici genre. Ils sont arrivés en parachute hein. C'est un pélican qui les a amenés par là mais... Une cigogne peut-être. Une cigogne. T'es où Sam? Attends. T'es où? T'es sur toi? Je viens de mettre une balle à un mec gros. Mais non. Je te jure. C'était un bombi, mais la distance c'est pas mal. Il est mort? Ouais, il est mort, je l'ai one tap. Il bougeait? GG. Ouais, il m'a fait salut. Il est où? Sérieux? Regarde, venez où je suis. Ouais. Là, regarde où je vise, tu vois la crête là qui est au milieu là? Bah, tu vises sur la crête et t'as un mec qui est allongé. Quelle crête? Là, que je vise là. Ah oui, d'accord. Ah oui, il y a bien 600, 700 mètres. Hein. 800 même. 900 même. Attends, je vais te dire combien il y a. Ah, je peux pas, personne a un PSO.
Ah ouais, là-haut là. Ouais, là-haut, là-bas. Attends, on va aller voir quand même, des fois qu'il avait pas des trucs sur lui. Bon, bien joué pour ton kill. Mais t'as mis combien de remises à zéro? J'ai mis... je reste tout... Moi, les snipes, je reste toujours à 100 mètres, c'est moi qui compense en mettant plus haut. Après, il est quand même loin, gros. Hein. Ouais, il est loin. Putain, il a rien du tout, mec. Regarde. Vise-moi. Franchement, il y a au moins 800 mètres. Hein. Oh là là, dommage qu'il n'y a pas le nombre de. Après, bon, si tu faisais salut qui bougeait pas, c'est pas non plus le kill de l'année, mais c'est non, pas c'est mal. Non, c'est pas le kill de l'année, mais ça reste toujours plaisant. Je sais pas si ça fait un effet de grandeur le désert. Bah, c'est ça fait l'impression, mais en même temps, je me dis que quand je vois ta taille là par rapport au x6. Ouais, c'est ça, c'est la taille aussi. Hein. Puis, c'est mec, quoi ça? Pas cool. T'as vu le temps que tu mets quand même à marcher, à y aller? Il y a un mec en face de moi sur la route. Qui c'est qui va vers la droite là-bas? C'est toi qui vise là? Kerr? Ouais, il est à droite sur la route derrière la carcasse de camion. Ouais, derrière la carcasse de camion. Ah ouais, vu. Il est où là? Il est toujours au même endroit. Bien joué. C'est lui qui avait la trompette. Enfin, le truc de loup? Ouais. Ah ouais? Ouais. Ah, il a la carte de Takistan en plus. Il est où? Il était derrière la. Derrière le camion là. Ah ouais, ça va, il était un petit peu stuff quand même. Y'a qui a pas la figure de décoré déjà? Moi je suis décoré. Tout le monde est décoré, gros. Wesh! Pourquoi tu l'as tué? Je l'ai pas tué, gros. C'est qui Kismo ou c'est KR? Je sais pas, gros. Parce que gros, Kismo il était lourd. Oui, mais j'ai tiré dans le porte-plaque à la caoutchouc. Ça fait rien. T'as perdu combien de vie? C'est pas moi, gros. T'as perdu combien de vie? Rien perdu. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Par contre, ça met KO même dans un porte-plaque, hein. C'est insane. Attends, dommage, j'ai pas de place pour prendre. Va voir ta tête, Kisma. Attends, c'est qui ça? Ouais, t'es où? Va voir ta cagoule, Kisma. Ouais, enlève ta cagoule, tiens. Ouais. Et tiens, peins-toi avec le style que je t'ai mis là. Face paint, maintenir. Fais un clown. Je m'en doutais. Oh la gueule. On va où? Je sais pas, mais faut qu'il y ait de l'action parce que là, moi j'ai envie de faire des gens. On descend, on fumait des gens. Cadeau. Oh le cadeau, Sean. Merci pour la carte. Les gars, regardez, j'ai même le nez rouge. Non, mais c'est bon, il est mort. Hein. Équipement que t'as. Arrête de niquer des Allez, balles. Go, on se casse là, tu vas tirer des gens ici et au final on va pas les croiser. Oh, tu vois? Ça c'était beau. Ouah, qui c'est qui est passé devant? Kisma. Ah, c'est moi? T'es un malade. Oh! Putain, mec, what the fuck? Gros, le zombie il a fait une décale au dernier moment, ça t'a mis la balle. Mais gros. Bah ça va, c'était du caoutchouc, hein, mais... Mais déjà, moi, il est passé devant ma balle. Alors moi, c'était pas du caoutchouc. Ça va? T'as pas vu de la vie? Je suis revu dans le jaune, putain, bah ouais. Ah merde. Moi, j'ai de la bouffe, hein, c'est la boisson. Hein. Mais t'as quoi comme bouffe? Bacon et riz. Bacon et riz. Ça y est, ma viande de porc a devient variée. Bacon. Pourquoi tu rigoles? Pourquoi tu rigoles, Kisma? C'est un gros bacon. Bah tu connais quoi? Tu dis ça comment? Tu dis quoi? Bacon? Tu dis bacon? Tu dis ça bacon. Comment? Bacon? Pas bacon. T'as rigolé alors? T'as dit bacon? Bah non, il a dit bacon. Ah bah je sais pas, j'ai et compris bacon. Je vois pas la différence entre oui. Bah ouais, surtout qu'il y a pas de différence gros. Bah là il y a un et on. Ah toi tu dis bacon. Bacon. Ouais. Ah je vais manger du bacon les gars. Ouais, gros. Là, c'est du back et on parce que regarde, après t'as le back off. Ne vous inquiétez pas les gars, on va pas mourir de faim, de soif, c'est pas aujourd'hui. Là, moi j'ai envie d'aller à l'airfield du sud parce que l'airfield du sud, je me rappelle sur Arma 2, c'était bien. C'est une map d'Arma ça? Ouais. Mais non. Ah si, c'est une map d'Arma 2. D'accord. Non bah attends, s'il y a pas de fontaine, si c'est un village dans le désert et qu'il y a pas de fontaine, je vois pas comment les gens peuvent vivre. Ouais. Attends, je regarde, mais faut qu'on cherche et qu'on la trouve. Il y a forcément une fontaine ici. Ah ouais, gros, faut tout qu'on ratisse là.
Allez, allez, on trouve cette fontaine, les gars. On cherche dans les jardins des gens, les habitations. Où est-ce que vous placeriez une fontaine? C'est ça la question qu'il faut vous poser. Fontaine, fontaine, je l'ai. Sérieux? 100% que c'est une fontaine, ça. Bah alors là, mon pote, c'est vraiment la gueule de la fontaine que j'imagine. Hein. T'es où? Eh, bois! J'ai la fontaine! Je tire. Je suis ici. Sérieux? Ah, je te vois. Bon, on va aller. Vous voyez, les gars? Exactement ça, un puits. Tu vois, un puits en terre cuite. Ah ouais, gros, ah ouais. Ça, c'est la fontaine qui va sauver nos vies, gros. Novigrad? J'arrête de dire gros, putain. Ouais, gros, c'est horrible. Ouais, gros. Je me suis rendu compte en vidéo, mais c'est un truc de malade. Mais gros, c'est... je fais que de dire gros. Ouais, gros. On va de la bientôt, ça revient en vidéo. Gros, gros, y'a un gros là, gros. Il y a un moment, mec, je te jure vraiment. Là, dans une vidéo, j'ai carrément coupé le moment parce que je ne supportais même pas moi de l'entendre. Je te jure. T'as Kismé, il est là, il fait gros, j'ai cru que c'était toi, gros, tu m'as fait trop peur, gros. Et moi, je fais bah ouais, gros. Et là, j'étais là, gros. Mec, mais gros, on est là à faire mais gros, bah ouais, gros. Mais gros, bah ouais, gros. J'ai dit mec, je coupe parce que c'est insupportable. À partir de maintenant, on va abolir le gros et on va parler correctement. Ouais, gros, hein. Mais ouais, gros, t'as trop raison, gros. Gros. Et je te jure, mec, la discussion de ça fait vraiment. On était là à mettre des gros à chaque mot. Tu mettais un mot, c'était gros après. Bon, buvez bien. Rebuvez. Gars, vous allez vous noyer, les gars. Là, moi, j'ai mal au ventre. Bah, faut boire jusqu'à avoir mal au ventre. Et dès que t'as plus mal au ventre, tu rebois jusqu'à avoir mal au ventre. Et ouais, c'est ce que je fais, chaude. Ah, bien sur moi. Oh, bien joué. Aïe. Oh, le deuxième coup. Je te protège, Kair. Tu me protèges en me frappant. Oh, y'a un piège à loup en plein milieu de la route. Les gars, non, passe pas par là. Non. Tu parles à qui? Toi. Passe pas par là. Oh putain, j'ai cru qu'il me parlait à nous, mec. Je vais direct. C'est où, ça? Ne passe pas par là, Kisma, ne passe pas par là, fais le tour, ne passe pas par là. Il est où le piège à l'eau? Il est sous l'escalier, gros. Ah, t'as mis un piège à l'eau, gros. Quand il a gueulé, gros. Est-ce que, gros, il est arrivé, mais tout droit dessus, gros. Oh, il serait là, c'était la fin. Il serait mort comme une grosse merde. Passe pas par là, il a hurlé. Mais oui, moi j'ai cru qu'il... Du coup, je savais pas qu'il parlait. Parce que, gros, je dis passe pas par là, passe pas... Et gros, il avance comme ça, gros. Il est là... Et gros, il allait se faire sécher comme une merde. Là, il m'en a à 6 km. Allez, on y va, les gars. On va à l'airfield ce soir. On termine 6 là-bas. 6 km. Bah, gros, je suis recouché. Hein, alors... Mais t'es un malade, toi. Mais t'es un malade. En phase 3 du sommeil, hein. En phase 3. Je serais déjà dans un sommeil profond là. Wow. Par contre, Starfield va falloir se concentrer parce qu'à mon avis, il y a beaucoup de monde qui vont jouer Starfield là. Tu sais, Sean, moi. distance d'assuration. Ça veut rien dire. Assuration. Non, mais distance où je suis à l'aise, entre 1000, 1500, tranquille, tu vois. C'est. Quoi, t'as un bunker là sur la colline en face là? Je dirais même. Ouais, c'est. En fait, vous savez, Takistan. Il y a un grand réseau souterrain en dessous qui fait toute la map et c'est ça l'entrée. C'est ici. Bah ouais. Mm-hmm. C'est un trou. Tu le dirais pas comme ça, mon ami. Ouais, les gars, mec, on a trouvé l'entrée. The fuck. Hey, il est là-bas, l'airfield. Il est en face de nous, gros. Ok, nice, nice, parfait. Ça a tiré en super, plus. Super, les bros, super. Non, ça tire pas. Super, les gars. Si, ça a tiré. Ah, non, c'est à gauche. C'est à gauche. Ah, mais ça a tiré. Ouais, ça a tiré, mais c'est à gauche. Bon, ok, les gars, on avertit. Avertissement. La meute arrive. C'est ça, la meute arrive, les gars. Allez, la cavalerie là. Allez, on charge. Chargez. Moi, je peux dire, je suis un combattant, j'entends ça comme trompette, mais je me tire moi-même une balle. Hein. Ça doit pas être très efficace. Hein. Mais t'imagines, genre, Y'a quelqu'un qui t'exécute et il chantait de la trompette comme ça à côté de toi? Non, mais c'est. Par pitié, tire! Oh, y'a un zombie sur moi! Mais toi, mais Kair, tu fais pas d'effort, mais. Séchez-le! Jamais d'effort! Hein. Moi, je vais tirer, les gars, y'en a deux sur moi! Non! Voilà. Oh putain, on avertit notre présence! Ah, mais ça où je meurs! Hein. Comment ça, Kair? Pourquoi t'es allé là-bas? Kair! J'ai été là-bas parce que les zombies sont venus sur moi alors j'aurais rien demandé! Oui, mais si on avait été assis à droite comme nous. C'est quand même assez gros, c'est un peu gros là l'histoire. Bah, oui, GTA à droite comme vous. Hein. Oui, GTA, tu vois déjà, on est sur DayZ, on est pas sur GTA. Oui, je connais pas GTA à droite. Je connais GTA 4, GTA 5, mais GTA à droite, je connais pas. GTA à droite, je connais pas. GTA à droite avec Marine Le Pen en personnage principal. Oulala. Oulala, ça tire à balle réelle. Ouf, c'est. C'est cru.
J'étais à extrême droite, c'est le nouveau DLC. Et là, je peux vous dire que mon personnage, je l'ai emmené jusqu'au bout parce que j'ai spawn au sud, je suis en montée. Oh vous... Ah ouais, dans Airfield. Ah, c'était dans Airfield. Ouais, c'est à l'autre bout. C'est au bout, au niveau des tentes là-bas. Ouais, ouais, ouais. J'essaie de je check. Je les vois, les mecs. Quel endroit? Non, non, mais je déconne encore, je dis n'importe quoi. Gros. Putain, faut que t'arrêtes, faut que t'arrêtes, faut que t'arrêtes. Au moins, il va dire, les gars, ils sont sur moi, il y en a deux, on va pas le croire, il va être. Ouais, c'est ça, gros. Je vais faire, je suis mort, les. Allez, ouais, c'est bien, c'est bien. En tout cas, on sait qu'il y a du monde. Tour de contrôle, tour de contrôle, il y avait un mec. T'as vu? Non, non, mais ça a tiré, je pense que vu le tir. Ah, il a dit des conneries, tu vois, tu dis des conneries encore. C'est le qui. Non, non, mais vraiment, vraiment, je pense que c'est vers tour de contrôle. J'ai une stam, elle est horrible. Oh là là. Ouais, oui, il faut pas qu'on court trop. Nous, on fait le tour par la droite de l'airfield. Ouais, moi, je fais le tour par la droite aussi. Y'a un zombie qui t'a vu, putain. Oh. Voilà, allez. On est toujours silencieux, on est toujours pas repéré. Sauf KR qui a tiré tout à l'heure. Ouais, KR par contre, tu. Voilà. Ouais, mais c'était loin dans. Non, mais tu déconnes. Non, tu déconnes, tu déconnes. Voilà, c'est un manque de sérieux. C'est dans la montagne en face. Trop loin. Je suis sûr que ça snipe dans la montagne. Ouais, ça se snipe dans la montagne, c'est sûr. Ça snipe dans la montagne. C'est qui a l'hélico? Allez, meurs. C'est moi. Ça a tiré sur moi, ça a tiré sur moi. Non. Si, si. Faites gaffe, vous mettez pas en visu. Oui, des zombies morts ici. Zombies morts. Ouais, c'est là que ça a tiré tout à l'heure. Oh là, ouais. Faut les enfermer. Je vais m'occuper de la porte. Non, il veut pas rentrer. T'es sous ma gueule. Ok, c'est toi avec moi. Ouais. Mec, il est mort le truc là. J'en peux plus. Non. Incroyable le truc. Oh, mec. Après la tempête, elle va être bien pour eux dans la montagne. Parce qu'elle arrive là, hein. Je la vois arriver à fond là. Ouais, elle arrive à fond. Ils vont devoir venir s'abriter, mec. Hein. Après, je pense qu'il y a la tempête, faut prendre bas de prison. Comme ça, par les fenêtres, on n'est pas vu. Et puis, si ça nous rush, on peut tuer facilement. Ouais, ils sont dans les rochers, c'est sûr. Ah, oui, mais c'est obligé. Sinon, et TC pourrait faire 2-2. Vas-y, bah, faut prendre maintenant. Bah, go, vas-y, moi je mets prison avec Sam. Si, je vais TC. Kisma va TC avec KR. Faites gaffe à un TC, hein. Ouais. Faut qu'on regarde s'il y a des mecs qui arrivent en courant. Ouais. S'il te plaît, le zombie. Oh, y'a des mecs, TC. Dans l'escalier, dans l'escalier. Ils sont dedans? Elle m'a mis inconscient. Rush le KR, Kisma. Enfin, essaye de protéger KR, faut pas que ça meure. Ah ouais, mais il a l'œil. Faut. Ah merde, désolé, j'ai fermé la porte. Je suis retombé inconscient. Fais gaffe, il est juste au-dessus, gros. C'est chaud. J'ai une jambe cassée. C'est chaud, les gars, c'est chaud. Je suis dans la merde, hein. Moi, il y a trop de tous les zombies devant moi. Garde la ligne, Kisma, surtout. Ouais. Ah, il smoke. Les gars, faut m'ouvrir la porte, je vais crever sinon. Ouvrez-moi la porte maintenant. Je t'ouvre. Je referme. Non. Ouf. J'ai 4 saignements et tout, ça me merde. Rex le chaud. Oh, je me rogue. Faites gaffe, ouais. Parce que. Ah, il m'a foutu KO. Oh, vas-y, ça me dégoûte, franchement, ça me saoule. Il t'a tué? Ah, mon des soirées de merde. Oh non. Attends, je suis pas. Ah, je suis retombé inconscient. Il m'a touché. Ouais. Faut que tu gardes la porte, on va crever. Je me fais un bandage. Soigne, vise, qu'il push pas. Tiens. Inconscient. Ouais, j'ai qu'un pont de merde aussi. Je suis mort, dommage, j'ai voulu tenter un push, mais. Tu l'as eu? Non. Ah, ils sont deux, j'en ai eu un. J'en ai tué un, je lui ai mis pleine tête, mais je suis mort. Bien joué. Bon, c'est bien. Ah, je te vois, gros, je crois que je te vois. Je suis dans la tour. Hein. Ah, t'es dans la tour? Bah, on est 4 Bambi alors à arriver. À la tour, le mirador à gauche là? Ouais. Ah, ouais, je le vois. Ah, je suis dedans. Ok. Il y avait un sac pour toi. Mais fais gaffe, gros, parce que du coup, là, mec, on va être beaucoup sur zone. Hein. Non, mais on va pas aller là, nous, on va aller dans le village d'après. Ça sert à rien qu'on aille là-dedans. Ouais, c'est vrai. Ça sert à rien de toute façon d'aller dedans. C'est toi qui viens vers Parabole, vers de Mirador. Je suis loin encore. Et ouais, j'arrive. Y'a un mec tout près qui rush droit vers moi. Bah, c'est pas moi. Putain, le bâtard, il va me poursuivre. Moi, je suis à 400 mètres là. Il a pris son caillou en main. Putain.
No. I joke, I join my group. Tu me vois pas courir, j'ai un sac en main. Ah attends, je suis derrière une butte là. Nope, it's for my team. T'es en bas vers la ville? Non, vers le... Pas de ce côté, vers les hélicos. Je suis côté crash hélico. Ouais bah je suis pas loin du crash hélico gros. Go vers le crash. Je suis en face du coin du crash. Je suis aligné au coin. Et là je suis à même pas 100 mètres hein, de l'hélico. Ok, je suis à côté moi. Thank you, bye bye. Hey, it's my bag, on se bat à côté, on se bat à côté. Vas-y, bah, je suis là, je rentre dans l'enceinte. Maintenant là, je suis à l'hélico. Toi ça? Ouais, c'est moi. Et il va vers le gros, on va. Bah viens, on va, c'est la vengeance, on va le baiser gros, c'est bon. Ça va commencer par lui. Lui faut qu'on le retrouve, faut qu'on chope des trucs et qu'on le baise. On l'assomme gros, on pète ses vêtements et tout, puis on lui parle, on dit hey, hey. Putain, c'était un sac pour toi, j'ai dû lui céder le sac, casse les couilles. J'ai dû lui céder le sac. Mais oui, une fois qu'il a eu le sac, il s'est barré gros. On va pas laisser un mec comme ça là gros partir avec mes affaires. Mec, il m'a traqué, il était là, give me the bag et tout, il m'a traqué mec. Il m'a traqué jusqu'au bout frère. Mais lui, mais il va le regretter, hein. Il va le regretter gros. De toute façon, il peut être que dans la ville, hein. Oui, il est en bas, je le vois, sac rouge. Ok. Cible repérée, je répète. Faut qu'on loot les maisons, qu'on le devance. Le gars il est là, sac rouge, il est devant moi, gros. Combien de mètres? Là, juste là. Va y parler. Hello, man. Hey. Demande lui s'il est friendly. Are you friendly? On l'arrache. It's my bag, man. You have my bag, man. You are dead. Il va sauter, je l'attends. Ouais, je l'attends. Il est baisé. Hey, it's my bag, man. You remember me? It's my bag. Voilà. Laisse-le en vie. Je tue le zombie. Vas-y. Déshabille-le. Je sais. Déshabille-le. Ranime-le, on va y parler. Et tu te prépares à le taper. Hein. Hey man, did you remember me? You fucking noob. Yeah. Get out, man, get out. Il contre tout, mec. Voilà, il est mort. Allez, c'est bon, c'est vengé, gros. Tu vois? Tu vois, je te l'avais dit que le sac. T'as gagné une petite vitamine. T'as gagné une petite vitamine, tiens. Vitamine-moi un peu. Voilà. Je t'avais dit que c'était mon sac. Bien joué ça. Et bah tu vois, lui il fait bien d'être venu par ici. Allez, qu'on s'est vengé, putain, assouvir sa vengeance comme ça, y'a rien de plus plaisant mec.